Bonjour, je m'appelle Maëva Villaume. Je suis en classe de CM2 à l'école du Petit Prince à Grand-Villard. Et je vais vous lire un passage de mon livre qui s'appelle Panique en 6e A de Catherine Missonnier. Le collège sous surveillance. La nouvelle du vol s'est répandue comme une traînée de poudre à la récréation. Le collège est sous le choc. Madame Cereza a demandé à Monsieur Gomez, le concierge, de fermer le portail à clé. Et les policiers municipaux sont arrivés en faisant crisser les pneus de leur 4x4 pour prouver leur diligence. Ils vont fouiller partout, s'alarme Quentin, dont le sac est rempli de mygales de plastique plus velues que des vrais et de colle gluante, interdites par le règlement de Madame Cereza. Les 4 6e B se sont empressés de rejoindre les 5 6e A pour connaître les détails de l'événement. « Ça ne servira à rien !» affirme Bastien. « Si ce sont des voleurs organisés, comme l'a dit Madame Brzezinski, ils sont déjà loin. Comment sont-ils entrés dans le collège sans qu'on les remarque ?» s'étonne Ludovic. « En se faisant passer pour un parent, un livreur, un réparateur. Mais, et la clé pour ouvrir la porte ?»« Ce genre de serrure ne doit pas arrêter des professionnels !» continue Bastien imperturbable. « Alors l'incendie ?» a été provoqué, conclut-il fermement. Merci Bastien, semblent dire les visages soulagés. Personne ne souhaite replonger dans l'ambiance de méfiance qui a suivi le vol de la montre de Gilles. Une opération aussi sophistiquée ne peut qu'être l'œuvre de voleurs expérimentés. Apparemment, les policiers municipaux ne sont pas encore parvenus à cette conclusion. Ils ont décidé d'organiser une fouille systématique à la sortie du collège. « Ça va faire un de ces bazars !» se réjouit Quentin. « Madame Cereza n'a pas eu le choix !» explique Ludovic. « Il a une cousine qui travaille depuis peu au secrétariat du collège et qui ne sait pas tenir sa langue. Pourquoi pas le choix ?» Elle a autorisé la conférence de Madame Brzezinski. « S'il y a eu un vol, elle est responsable. Il faut qu'elle aide la police à trouver le voleur. Sinon, on dira que c'est sa faute. Elle sera renvoyée ? Peut-être !» Jamais elle n'aura donné son accord, celle avait su la valeur de la collection. Mais elle a fait confiance à Madame Turpin, qui a parlé de quelques souvenirs rapportés d'Égypte. Elle n'a pas vérifié. Alors Madame Turpin risque aussi d'être virée? Blâmée en tout cas. Pour une fois, les rôles seraient inversés. Ce seraient les profs qui passeraient en conseil de discipline. Seulement proteste Gilles, qui ne perd pas son sens de l'équité. Elle ne pouvait pas savoir que la collection avait beaucoup de valeur si Madame Brzezinski ne leur avait rien dit. Madame Cereza espère que l'inspecteur d'académie en tiendra compte. Elle aimerait retrouver la statuette avant que l'affaire aille si loin. Comme prévu, l'annonce de la fouille déclenche une belle panique. Les sacs des collégiens recèlent des articles autrement plus compromettants qu'un Utchepti de la 18e dynastie.